prière est une arme de guerre que beaucoup de soldats sous-estiment et ne prennent même pas pour aller au combat. La prière est d'une force invisible qui nous protège de l'ennemi et de ses cibles. La prière est une si grande puissance qui nous fait gagner la guerre dans le silence. Prions sans cesse, élevons vers Dieu nos voix, pour que l'ennemi ne puisse pas nous faire tomber dans le combat. Prions sans cesse, élevons vers Dieu nos cœurs, pour qu'il nous accorde sa faveur et qu'il fasse de nous des vainqueurs. La prière est une clé qui délivre, elle est une pluie qui arrose la terre. Une prière sortant d'un cœur sincère peut toucher le cœur du gagner la guerre. Prions sans cesse, élevons vers Dieu nos voix, que l'ennemi ne puisse pas nous faire tomber dans le combat. Prions sans cesse, sans cesse, que Dieu se serve de nous. Prions sans cesse, prions sans cesse. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez sans cesse. Je suis prêt à renoncer à moi-même. Je suis prêt à toujours rester fidèle.
je suis prêt. Moi, soldat de l'Éternel, je suis prêt à répondre à ton appel. Je suis prêt à changer mon comportement. Je suis prêt à tenir mes engagements. Je suis prêt à travailler en tout temps. Je suis prêt à te servir fidèlement. Par ta parole, je marcherai sur ta parole. Je veux m'appuyer, c'est ta parole que j'annoncerai. Ta parole au monde entier. Par ta parole, les chaînes vont tomber sur ta parole. Je délivrerai sur ta parole. Je consacrerai mon foyer. Je suis prêt à m'éloigner de la terre. Je suis prêt pour entrer dans ton sanctuaire. Je suis prêt à combattre mon adversaire. Je suis prêt, car en moi brûle ce ministère. Par ta parole, je marcherai sur ta parole. Je veux m'appuyer par ta parole. Et là tu verras les miracles.
maintenant je veux faire comme tu me l'as dit, car je sais que ta parole tient ses promesses. J'ai compris l'importance de te faire confiance, car ma foi en toi ouvre la porte au miracle. Là j'entends ta voix qui me dit je suis à tes côtés, confiance en moi, laisse mes mains te façonner. Ressuscité, car Dieu
tu n'as plus le contrôle. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui et qui voudrait t'accuser à cause de tes fautes. C'est vrai que tu es tombé, mais il viendra te porter. Si tu veux qu'il vienne t'aider, ne cesse jamais de te rappeler. Parle à Jésus, ne tarde plus. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Parle à Jésus, ne cherche plus. Perdu, ne t'éloigne pas de moi.
Je ne veux que toi, Seigneur. Tout simplement me pencher sur ton cœur, Jésus. Tant de choses veulent m'attirer loin de toi. Ô Seigneur, je veux rester en ta présence. Si je me cache en toi, rien ne m'arrivera. Le sommeil, l'assoupissement, croiser les bras. Et la pauvreté, elle me surprendra. Ô Seigneur, je prends garde à ces choses-là. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta présence.
malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh, non, jamais, non, jamais, ni personne ne m'éloignera de toi. Et même si je dois tout quitter, yeah.
Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Tu marches devant moi. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi, me montrant le chemin par ton amour. Tu guides mes pas sur ce chemin. Il y a tout ce qu'il faut.
montagne qui se trouve là devant toi. Au-delà de cela, Dieu règne et ses yeux sont fixés sur toi. Il te suffit juste d'entrer dans sa présence. Tu es à ses yeux, tu es à ses yeux ce qu'il y a de plus précieux. Oh.